et vive Paris. L'augmentation brutale de la taxe foncière, plus 52% annoncée il y a quelques jours par Anne Hidalgo. Des gobelets, des canettes et même des cuvettes de toilettes. La propreté à Paris, c'est un débat récurrent. Maintenant, ce viol présumé d'une touriste sur le Champ de Mars, la France et Paris, sécurisé un an des Jeux Olympiques. On peut se poser la question. Non. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les Vélib en ce moment? Vous appelez ça un service? Vous pouvez me rembourser Vélib? À Paris, les rats prolifèrent. Selon les scientifiques, ils seraient 6 millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants. Des consommateurs de crack sur le chemin de l'école. Parents et enfants de maternelle et de primaire vont en classe sous escorte policière. En moyenne, 12 400 Parisiens ont quitté la capitale chaque année entre 2014 et 2020. Ce n'est pas Paris, tu l'aimes, sale et dégradée, ou tu la quittes. Non, nous souhaitons y rester, y vivre, dans de meilleures conditions de vie et de qualité de vie, pour les familles et les enfants notamment.